Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral de la communauté CER et c'est avec plaisir que je vous retrouve de nouveau sur Warhammer Online. Depuis la dernière fois, il se passait pas mal de choses entre guillemets, j'ai pas mal fait d'autres personnages, avec lui on s'est vite fait retrouver, j'ai bien vite fait, parce qu'il y a eu des soucis de semaine, donc ce sera pas encore cette semaine que vous nous verrez tous les deux en action. Mais je vais le travailler encore pour qu'on puisse revenir vers vous avec une bonne vidéo de nos empoignades avec l'ordre, ça va être magnifique. Bref, toujours est-il que du coup, n'ayant rien d'autre à faire, je me suis dit pourquoi pas, allez c'est reparti, nous allons voir le Marauder. J'étais pas mal pris également parce que, pour les fans de Dark Age of Camelot de l'époque, il y a le serveur Utgard qui était en maintenance jusqu'à présent parce qu'ils refondaient complètement leur système de jeu. Il est toujours bien en rapport avec Dark Age of Camelot, mais disons qu'ils avaient quand même eu des soucis et ils avaient décidé de refaire de fond en comble leur serveur privé. Et ils ont fait donc leur premier gros bêta test à partir de, je crois que c'était le de juillet, donc ça fait quand même un mois. Mais récemment ils ont introduit en fait des PNJ pour vous monter directement au niveau 30 et hier soir c'était directement au niveau 50 et il y a eu un bon fou parce que vous êtes monté directement au niveau 50, ça vous permet d'aller au cœur de l'action, en plein PV, de vous stuffer direct, sans autre forme de procès, si je puis dire. Donc voilà, donc c'est vrai qu'hier soir j'ai fait un peu que ça. Il y a du monde. Ok, donc on va baisser un petit peu tout ça. En haut, c'est joli, mais tu m'étonnes que je lag. Le jeu qui a décidé que, bien sûr, je pouvais tenir un haut si je joue. Voilà. Mais c'est quand même un peu mieux. Alors, c'est reparti. Je me rappelle juste plus du tout ce qu'il fallait qu'on fasse ici. Bonjour, monsieur. C'était ça. Voilà. Prendre des quêtes. Impeccable. Alors, je regardais les PNJ là, mais parce que à chaque fois je me demande est-ce que c'est un joueur, est-ce que c'est pas un joueur. Comme vous voyez, j'affiche juste pas les noms des PNJ ou quoi que ce soit, hein, ça c'est bon, c'est le jeu. Vous rappelez mon interface sur EverQuest, hein, il y avait que dalle, bon, j'ai pas pu faire que dalle sur Armor Online parce qu'il y a quand même des trucs dont j'ai besoin. Mais si je pouvais, je le ferais. Je me rappelle plus, c'était la brutalité, je crois. Ouais. Oh les picots. Il est magnifique. Il est magnifique ce bras. Voyons s'il n'y a pas mieux. Je suis trop fan de ces mutations, je pensais juste pas. J'en discutais, je crois que c'était hier ou avant-hier avec un autre joueur. Et je pensais juste pas que le maraudeur m'attirerait ultra en fait. Il est nice, il est vraiment nice ce bras. Ça me fait un peu penser. Je sais plus quel film là où le mec a un bras. C'est le boy, voilà, je cherche bien. Dans le genre un peu plus dégueulasse, mais c'est ça. Bon, bien, c'est parti. Alors, nous allons buter des ghouls. Ah, et je vais tailler en BG parce que, bien sûr, il faudrait que je vous emmène en BG. C'est là que se passent les choses les plus importantes. Quitte à se faire rétamer, autant y aller. Directement. Alors, le monsieur nous avait dit des ghouls, je crois. Et des champignons. Je crois que j'ai baissé encore. Je crois que c'est vraiment la vidéo qui me fait que ça descend un peu. J'aurais dû faire les tests avant, je suis désolé. Ah là, c'est quand même mieux. Ghoul, c'est bien ce qui me semblait. 1, 2 et 3. Alors c'est vrai, j'ai été contacté par un joueur anglophone qui m'a dit en fait tu joues ton maraudeur super mal. Je fais ouais mais j'y connais rien donc bon. Et du coup il m'a donné quelques conseils si je puis dire pour mieux passer en PVP etc. Histoire que je me fasse pas trop défoncer. Même si l'autre jour je défonçais hein, par le premier et on a perdu, le reste ça défonçait quoi. Ouais, donc apparemment il fallait que je fasse mon skill 3 fois parce que ça se stackait,
je ne savais pas, voilà. J'aurais dû lire les compétences, mais bon. Donc je suis refait jusqu'au bout du perso et généralement quand il y a un truc où il faut pas réfléchir, je réfléchis pas des masses non plus. Les ghouls, vous êtes. Putain, je chasse les ghouls comme ça, je peux vous dire que, enfin, dans d'autres, peut-être que j'en le ferai, hein, c'est juste si j'arrive à récupérer un PC convenable, peut-être. Mais l'idée d'un autre côté de repartir au niveau 0 me casse un peu les noix. Mais ouais, peut-être que sur The Secret World je ferai des streams aussi. C'est un jeu que j'adore et pour le coup, c'est vrai que les ghouls, bah, tu les traques pas dans The Secret World. Non, non, au contraire, j'y fuis. Alors, mais disons que le problème dans ce secrétaire, c'est qu'il fallait que bah, monter ses compétences, etc. Et enfin, mes persos que j'ai montés, j'en ai monté 3, ils sont largement pas au high level, hein. J'en suis encore loin, je pense. Mais j'ai fini les histoires, en tout cas, c'est sûr. Et je me disais, oh tiens, refaire les histoires en streaming, ça peut être cool, etc. Enfin, en vidéo. Ouais, par contre, repartir avec tous mes points de compétences barrés, je pense que je me suis suicidé. Parce que, je veux dire, le build était tellement compliqué à monter. Tant pas compliqué, c'est très long, et tant que vous avez pas vos putains de compétences, bah, c'est pas. Bref, je m'embarque, je suis sur World Online, je ne suis pas sur Discret World, et on en reviendra plus tard si je m'amuse à en faire. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas ça. Donc, on va essayer de trouver, voilà, des sports corrompus, je pense que c'est. Ou pourris. Calciné, je crois que le mot, c'était en français. Je me souviens des quêtes tellement par cœur. Pour le T1 en tout cas, parce que derrière le T2, je crois que le T2 KO, j'ai jamais dû en voir la couleur. Pareil que... peut-être côté Empire, si j'ai peut-être été... Ouais, si j'ai peut-être été en T2 Empire, une fois ou deux. Après, enfin, disons que de toute façon, mon PP, je vous montrerai, mais... et puis il faudra que j'en parle aussi. Mais en gros, dès l'instant, le T1, je crois que ça correspond au niveau 1 à 11, le T2, je sais plus, peut-être que c'est 12 à 20, mais j'en suis pas sûr du tout, peut-être 21. Ouais, c'est peut-être ça. Et pour le coup, dès l'instant, en fait, et ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça qu'il faut que j'en parle absolument, dès l'instant où vous êtes au-delà du niveau du T, c'est-à-dire que, bah, par exemple, là, en T1, si j'allais faire de l'open RVR, comme ils disent, du RVR, du monde contre du royaume contre royaume ouvert, voilà, si vous voulez en français, introduction, et bien, si j'y allais et que je passais mon niveau 12, donc il me ferait sortir de la zone d'XP, en fait, même de level du fight, et bien, le jeu est très simple, pour éviter justement le farm des haut level par sur les bas level, et bien, vous êtes transformé en poulet avec 10 points de vie. Donc ça fait tout drôle quand vous passez votre niveau 12, par exemple, et ça m'est arrivé hier, de passer mon niveau 12, paf, d'arriver, et puis là, paf, vous êtes un poulet. Et le jeu en fait, il fait un poulet, poum, un sort, vous êtes mort. C'était très drôle, excellent, moi j'ai adoré. Voilà, donc faut faire super gaffe, et du coup, faut pas vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter à faire du BG tout le temps, tant que vous pouvez. En fait, le BG c'est moins grave, parce que même si vous chopez des... Je crois que c'est... Je sais plus comment ils sont les emblèmes au-dessus. Mais donc, je crois qu'il y a un truc qui vous permet de choper 5 emblèmes de T1 avec un emblème de T2, j'en suis pas sûr, ça c'est à vérifier. Parce que j'ai chopé des emblèmes de scout en fait, mais... Et je me suis demandé si c'était pas les emblèmes T2 justement. Mais bref, toujours est-il que du coup, enfin de ce côté-là, c'est pas trop. Pour les médaillons, c'est beaucoup plus problématique parce que. Et je le montrerai également si jamais on y arrive. Les médaillons, c'est ce qui vous permet d'avoir votre stuff en fait. Le stuff, on va dire, qui va être le plus abouti pour vous en termes de niveau. On va dire au niveau 10, 11, ouais, ça. Parce que je crois qu'il faut être niveau 10 renommé pour avoir la possibilité de porter le stuff. Et du coup, si vous avez, enfin, si vous passez votre niveau et que du coup vous pouvez plus faire une seule zone, bah, les médaillons vous pouvez vous sortir dessus. Donc c'est pareil, je crois qu'il y a un moyen de choper des médaillons T2 en RVR et un médaillon T2 je crois, en haut 5 T1. Et donc vous retournez au bas level quoi. Alors que là, pour le coup, vous étiez plus ou moins au sommet de la chaîne alimentaire dans le T1. C'est un peu moche. Et du coup, faut pas hésiter. Voilà. Je vous conseille, faites des BG à peu près jusqu'au niveau, enfin tout le temps en fait, n'hésitez pas à croquer en BG parce que vos armes
Vous devriez les choper. Moi, c'est vrai, là, je m'en excuse parce que c'est ma faute, j'en ai absolument pas parlé avant. Mais je m'en suis rendu compte surtout après, c'est que les armes que vous chopez grâce aux récompenses justement des RVR, donc aux emblèmes que vous chopez en BG, elles sont bleues. Donc largement meilleures que tout ce que vous pourrez trouver en PvE en fait. Donc ils avaient bien fait les choses à l'époque, le PvP c'est juste central. C'est voilà, c'est pas un truc que vous faites à côté si vous voulez, c'est faut en faire. Et ça c'est juste, enfin moi qui aimais pas, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'avais un peu lâché le coup à l'époque, mais disons voilà, le PvP faut en faire, c'est ça qu'il faut. Le truc à la con dans mon sac, c'est vrai. Use it well. Ah oui, pareil, normalement vous allez pouvoir commencer, je crois que c'est. Je sais plus si c'est parti de cette zone là ou pas. Non, guérisseur, c'était un PU, enfin un PU, un allié, je pensais que c'était un ennemi, mais un PJ en fait. Oui, c'est ça, collectionneur. Non, c'est pas lui. Normalement, vous devez commencer à pouvoir voir. Voilà, c'est ça. Les mecs qui vous donnent les compétences de craft. Alors, ça dépend lesquels. Mais généralement, du coup, il y en a qui vont par paire, du style, moi c'est celle que j'ai avec mon avec mes gobelins, les deux, c'est boucher alchimiste. Boucher, ça vous permet de récupérer des bouts en fait sur les animaux morts, que sur les animaux par contre, et qui vont vous permettre de faire les potions. Donc les apothicaires, c'est quand même cool pour eux. Donc ça, c'est cool. Et là, ce que je vais prendre, alors il y a aussi la fabrication de talismans, je sais pas si j'en ai là déjà ou pas. Si là. Là vous voyez sur l'emplacement justement de mes bottes, il y a un emplacement de talisman. C'est-à-dire que vous pouvez crafter un talisman et le foutre là. De niveau 1 et quelque chose, un truc de merde. Et vous pouvez le foutre là. Et l'intérêt, bah, c'est que ça vous donne des petits boosts de compétences. Comme si vous faisiez enchanter une armure. Quoi. Donc il y a des gens qui peuvent fabriquer des talismans en craft. Hein, ça oui. Oh, un BG. Ouh, bassin du feu noir. Et donc du coup, pour ça, pour les talismans, vous avez besoin de trucs magiques, et eux, les trucs magiques, généralement, c'est ce que vous chopez en détruisant des objets magiques. Genre typiquement, les haches que j'ai, la verte, c'est des objets magiques, donc en les détruisant, vous chopez des essences, des machins, des trucs qui vous permettent de fabriquer des talismans. Voilà, et il y en a donc un troisième, j'espère que je l'ai pris. Wouah ! Non, j'y vais pas au Agma. Ouais tiens, j'ai découvert un truc, enfin en testant un truc avec un mec en ligne hier. Bon c'est bien. Oh les écailles, oh trop beau, on dirait donc. Voilà, quand vous tapez slash spécial, ça fait une petite émote normalement, voilà. C'est rigolo. Et donc le bassin du feu noir, le bassin du feu noir très simple. Vous voyez donc nous on est ici, au point rouge, et les ennemis sont là au point bleu. Sur le lac, il y a un drapeau, faut choper le drapeau et l'emmener à votre coin. Donc, sur le lac, c'est là où il y a de la baston, et c'est un vrai BG, je veux dire. Il n'y a pas. Ok, il y a un objectif, un truc comme ça, du drapeau, mais sans déconner, il y a une baston tellement folle. Au milieu, que c'est juste dingue. Et ça, c'est l'esprit même du BG, pour avoir fait justement le. Bah, je vous l'avais montré, la croisée de Gomeril. Là qui ressemble à Arati, c'est juste une horreur. Je l'ai fait hier soir avec ma healeuse. On courait partout. C'était n'importe quoi. Tu lâches. Oh, le flambi, il est à moi, c'est moi qui l'ai vu. Pourquoi? Oh, le bâtard, il a pop sur le drapeau. Oh, le cheat. Pardon, du heal, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce qu'on a du... Ok, non, pas du... par contre, je crois que... Attends, vas-y, yes. Excusez-moi, c'est toi, ça. Vas-y, c'est ça. Je comprends pas pourquoi il a pas marché tout à l'heure. Avec le don de brutalité qu'on a dans le bon. Ok, génial. Je n'ai pas là, donc je peux le dire. C'est bon.
Ouais, donc comme je disais, la croix de Gomery hier soir, on a passé notre temps à courir en fait entre les objectifs, c'était juste l'horreur. Moi j'ai horreur de ça. Ou les mecs ils vous prennent en embuscade parce que bah ils savent faire que ça. Je veux dire, à 3 contre 1 ils sont super forts, par contre en 3 contre 3 il y a personne, quoi. Ils se tirent. C'était juste une horreur. Et bah un archi-elf, je crois que j'ai poursuivi sur toute la map, c'est ce que vous avez dit. J'ai horreur de ça, enfin ça c'est enfin, typiquement le mauvais esprit du BG quoi. Le gars qui vient, qui taune, qui fait ses trucs, tu lâches, c'est un sorcier, il n'y a pas une vie facile, je sais de quoi je parle. T'essayes de te soigner ou j'y arrivais? C'était... Oh okay. Mais laissez-le moi! Arrêtez! Oui, il y a un truc très fondamental, je crois qu'ils en avaient pas... Mais voilà. Ils en avaient parlé justement dans la vidéo entre guillemets hommage qu'ils avaient fait sur les jeux de Warhammer Online. Il y a la collision en fait entre les joueurs. Et c'est juste une horreur. Le body block est réel, je veux dire, c'est comme dans le jeu quand vous vous faites bloquer par des minions. Alors là c'est pareil. Et ça m'est arrivé combien de fois de me faire bloquer justement par ma team, mais là c'était le typique exemple. Les mecs ils étaient tous dessus comme des gros cons à 3. Et bah, du coup les types m'ont bloqué et j'ai rien pu faire. Ah, ah, et puis je comprends pourquoi j'ai pas focus. Attendez, j'ai un petit problème de souris de pile. Gros abruti, je savais qu'il clignotait tout à l'heure. J'ai fait non, ça peut attendre, elle va tenir le casse soir. Ouais. Et comme à chaque fois, ça me surprend. Au moment où j'en ai le plus besoin, ce serait moins drôle sinon. Voilà, du coup, j'ai 99, ça va, ça passe. S'ils ont pas rechopé le drapeau. Ok, il y a quelqu'un qui est mort, je crois. 181, là ils ont chopé un drapeau. Putain, mais ils foutent quoi les autres quoi? Oh, on a pu. Viens là, petite merde. Ah, oh, il se fait heal. Je crois qu'on a pas de heal sans le dégoût. Ils sont combien en face sans déconner? Oui, déjà on n'a pas de ville, gros problème, il n'y a que des bourrins. Bah voilà, tu m'étonnes qu'il domine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le gros problème en fait de ce BG. Ouais, tu parles, ils ont un prêtre des runes, deux prêtres des runes. Et un prêtre des cimères, ils ont 3 îles, nous on a 0, tout va bien. Et donc oui, c'est le gros problème de ce VG, c'est que dès l'instant, il y a un des camps qui prend l'avantage en fait, c'est-à-dire qui sécure le drapeau, qui a avancé sa ligne de front au-delà du drapeau, et du coup, bah, dès l'instant que vous avez posé le drapeau, il repop le même endroit, c'est-à-dire au milieu du machin, eh bien, impossible. Tant que vous n'avez pas défoncé la ligne de front, vous ne pourrez jamais récupérer le drapeau. Et là, c'est ce qui s'est passé, parce que évidemment, nous, on n'avait pas de heal, donc bah, on mourait comme des merdes, eux, ils étaient full heal, quoi. Ça, c'est relou. Ça c'est ce que je trouve le plus dommage en fait, c'est pareil, mais c'est pareil dans tous les jeux ça, en PvP, c'est que quand vous taguez comme ça, à part quand vous taguez en groupe avec un pote qui fait heal, mais honnêtement, enfin je veux dire, moi j'ai jamais connu justement ça, parce qu'à chaque fois c'était soit moi qui me le tapais le boulot de heal, soit on en avait pas. Et ben, c'est juste sûr. Parce que du coup, au lieu de faire des groupes équilibrés, de prendre peut-être 10 minutes de plus à chercher un BG, mais au moins d'avoir un groupe avec au moins un heal dans chaque groupe, non, pas plus, hein. Je veux dire, pour avoir fait de l'open RVR et avoir géré les warbands et des trucs comme ça, tu sais que, bah voilà, t'as, mettons, t'as 5 heals dans les trucs, t'as 4 groupes de warbands, donc 4 groupes de warbands, c'est 4 groupes de 6, tu mets un heal dans chaque groupe de warband et ton équipe, elle est safe, tout ça. Mais non, ça je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, enfin, ça c'est pas un problème des développeurs du serveur comme ça, c'est un problème du jeu en termes général et de des jeux en termes général. Je ne sais plus ce que je cherche. Oui, j'avais vu que j'avais un nouveau truc qui s'appelait l'empalement, voilà, que j'ai pas mis. Et c'est si vous êtes dans le taux de la cible, très bien, donc en fait ça n'arrive jamais. Eh bien, continuons, je ne sais plus ce que je vais faire. Les ghouls, c'est fait. Non. Ah bah non, il en manque deux. Bravo. Bravo moi, je suis un gros débile. Je me suis barré de la quête avant même d'avoir fini.
Donc voilà, donc ça c'est un gros problème, et comme je disais, bah en fait si vous faites pas le heal, bah vous pouvez être sûr que c'est très rare d'en voir. Pourquoi? Parce que les gens ils aiment pas le. Pourtant, je veux dire, moi bon j'aime bien les casteurs à distance, ouais, j'aime tous les casteurs, autre chose. Mais healer, je trouve ça chiant. Je veux dire dans Thor, c'était. Enfin j'avais un sorcier, j'ai jamais healé avec mon sorcier parce que ça me saoulait. Et pourtant on avait un groupe où justement on n'en avait pas et où j'aurais pu le faire. Mais j'étais là dans un mode bon putain, vous voulez pas faire heal, bah pourquoi moi je serais forcé de faire heal. Et du coup bah certes on a y a des donjons, on a galéré, parce que bah bien sûr sans heal il fallait y aller full DPS et ça pouvait défoncer. On pouvait se faire défoncer fortement. Mais voilà. Donc de temps en temps je foutais un petit pansement sur le parce qu'on avait quand même des spells de base en fait de heal, mais c'est pas pour ça que j'étais full heal quoi, c'était une connerie monstrueuse. J'avais un pote de toute façon un pote chasseur de primes qui lui refusait de tanker, bah pareil parce qu'on voulait pas. Et il avait raison. Donc on était que des DPS, mais dire que ça passait quand même. Mais et pourtant donc sur le jeu là, bah. Les heals sont beaucoup plus intéressants, les chamans sont énormes côté orc, les cultistes ici, c'est vrai côté chaos sont pas si mal. Parce que c'est des heals mais en fait ils font pas que heal. Ça me rappelle le Conan d'ailleurs dans ce truc là. À part que dans Conan les heals étaient quand même. Bah en fait c'était vous avez vachement de DPS et un peu de heal pour tous les heals. Là pour le coup ça fait vachement de. On cherche qui? Tobias machin truc? Putain j'ai aucune idée de quel côté se planque le pont. Tobias! Oui, bon. Oh, la tour de guerre du Nord! Best scenario ever! Je veux dire, s'il y en a un dont je me souviens par cœur côté Destru, c'est celui-là. De heal dans un putain de groupe, je vais quitter et rejoindre le groupe avec un heal parce que je refuse d'être dans un groupe sans heal. Il y en a un qui a fait exactement comme moi. Dans le groupe, vas-y, ils vont être juste. Il doit être toujours en fait, je pense. Putain, un élu, donc un tank, il y a pu avoir deux tanks, deux sorciers, un chasseur de skulls, c'est pas très tranquille tout ça. Ah, mais quel saut, j'ai oublié de changer ma gris-griffe. La griffe de poilu. Celle-là, je l'aime. Je me demande si j'avais fait mes cheveux d'une autre couleur, si, enfin, si les poils auraient été d'une autre couleur ou pas. Il y en a un qui a dû oublier le gaz. Ou alors il a vu les ennemis, il a commencé avec. J'ai horreur de ça. Tu vois de l'ennemi, tu frappes, tu frappes, tu frappes. S'en fout qu'il est. Ouah, il y a du heal. Ouah, il a du heal. Bon, ça me saoule. Allez, t'appelles. Ouah, il y a du monde. Ouah, il y a du monde. Ouah, il y a notre team, putain. C'est ouf, ça. Les mecs, ils sont en train de se balader. Quoi. Je sais pas où ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en surnombre par le temps. Le nain, le nain, le nain! Vache!
Ça, c'est un bus. C'est trop bizarre, j'ai l'impression. On est quoi? On est 12. 6, 7, 8, 9, 11, 12. Non, on est pareil, mais enfin voilà, ils ont encore 2, 4 îles. Il en a un sur le BG. Mmh. Je pense qu'on va encore se faire violer. Bah, déjà, il contrôle tout à 12 minutes. Quand je vois ce qu'il regagne en heal, c'est juste. Il sert juste à rien. Ils ont 4 heals, ça veut dire qu'ils en ont minimum 2 par groupe. Donc, dans un groupe de 6, avoir 2 heals, ça veut dire qu'ils peuvent healer 2 personnes chacun. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors que nous, notre pauvre heal, il est là pour un seul pour 12 personnes. Et pour l'avoir fait justement en Warband heal, je peux vous dire que déjà s'occuper d'un groupe de 6 tout seul, c'est déjà 30 dax. Alors un groupe de, enfin deux groupes de 6, c'est juste impossible. Donc là, ça va être la marave. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller choper justement les plus faibles. Eux ont pas d'armure et du coup se font one shoté, voilà, mais c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Et en plus c'est du prêtre au niveau, oui, parce qu'il la raise là, ils sont au minimum 10. C'est une dague ça, ah, voilà quoi, vous êtes bon. Putain, et puis c'est pas n'importe qui en plus comme il, hein, je veux dire, c'est prêtre de Sigmar et prêtre des runes, donc c'est full régénération. Et parce que vous avez deux écoles en fait, les chamans et les archimages qui font du heal direct, c'est à dire qui font du gros heal et gros cast. Ils ont très peu de heal instant en fait. Les prêtres des runes et les cultistes qui eux font du heal instant justement. Arrête de courir toi. Voilà. C'est complètement dégueulasse ce qu'on fait parce qu'on sent sur les plus faibles, mais tant pis. Putain. Et il prend de la régène. Hein. Je sais pas si vous voyez la régène qui se prend, mais c'est juste ouf. Petit nain! Viens voir papa! Est-ce qu'il a cliqué la fuite? Pas encore. Et voilà. T'es à moi, gars. T'es à moi, mon gars. Je vais essayer de le fumer avant que... Vous avez vu la régène qu'il a? Bon, je pense qu'il a genre... Enfin, il doit être niveau 10, ou qu'il a 4 niveaux de plus que moi, donc ça se sent. Et qu'il a tous ses spells et tout, mais quand même. Ah non, 5 niveaux, parce que j'étais niveau 5, j'avais pas fait gaffe. Donc quand même, je veux dire, il y a, je veux dire, en plus, à mon avis, il y a un peu stuff. Mais c'est juste dingue, ouais. Ça, c'est typique. Ça, c'est typiquement typique, en fait, de ce genre de jeu. Mais je sais que enfin, ça m'a fait pareil, quasiment, sur le jeu, je veux dire, sur LoL, sur le chien, sur le truc. Dès l'instant, en fait, vous avez une classe qui est un peu... technique comme lui, et pourtant Dieu sait, je veux dire, sur Warhammer. Je vous montrerai peut-être un de ces quatre. Ma disciple de Ken, pour vous voyez à quoi ça ressemble un heal cac. Et enfin, moi j'ai halluciné parce que ça fait du gros DPS comme si c'était une voleuse. Et bah, derrière elle se heal pas trop mal. Je dis que le prêtre de Sigmar doit être aussi ouf. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un pote qui le jouait, il était quand même assez stylé. Mais je m'en fous, c'est de la merde ce que tu me donnes. Buter de l'impérial, ça j'aime bien. Non, elle a pas été bien faite. Wouah, elle est géniale, magnifique. Absolument dégueulasse.
J'ai fait des parts, tiens, c'est curieux. Ça m'arrive jamais d'habitude de faire. Vous voyez ce que je disais? Donc en fait, là c'est parce que j'ai pris donc, la compétence de pilleur. Et dès l'instant où vous pouvez, bah, vous choper des trucs. Alors ça peut être du stuff, c'est surtout des composants de craft finalement. Et c'est que sur les humains par contre, contrairement au boucher. Il y a le Thomas Surgan. Il doit y avoir un bug parce qu'il y a pas refop en fait. Vous êtes beaucoup, pas de problème. Toi, tu te crois intelligent là-haut dans ton machin? Et en fait, avec lui, on était mort d'ailleurs parce que lui, c'est son couple qui a cette compétence là. Et parce qu'en fait, donc il y a des mouches qui se posent sur le putain de perso, du coup, enfin, sur le mec que vous avez buté. Et le symbole, c'est l'espèce de pince. Et à chaque fois, on est mort de rire parce qu'on se dit, mais en fait, tu arraches les dents en fait. C'est comme ça que tu fais pour récupérer du stuff sur lui. Et c'est tellement ça. Et tu vas te calmer ou je te dresse. Et donc ça, vous voyez, tout ce que je ramasse, c'est... Alors, des fois, vous ramassez la thune, mais c'est surtout des trucs de craft, finalement. Et ça peut être aussi des items... Non, j'ai pas fini de régène, t'es gentil. Attendre que mon PV remonte un peu quand même hein, parce que ça faisait mal. Allez, on va retailler en BG. Après tout, ça fait des points. J'aimerais bien savoir où sont ces cons de Hermogénère parce que. Ah, ça m'ira là. L'orque noir est dessus. C'est con parce que le type est un peu gay là. Donne-moi tes dents, donne-moi tes dents, donne-moi tes dents. Alors sachant, je vous montrerai un petit peu peut-être comment marche le craft, sachant qu'il est vraiment, vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment, vraiment très basique. Ou c'est juste principalement des trucs, soit pour booster momentanément pour un fight, soit pour t'équiper avant un fight, enfin, c'est vraiment typique. Et là pour le coup, c'est vrai que bah, c'est pas hyper compliqué. Un poil technique, mais c'est vraiment pas compliqué. Oh. Non, c'est la merde. Là, est-ce que je les ai eu les bottes tout à l'heure? C'était une ceinture, je m'en rappelle plus. Oui, j'ai eu la ceinture de Marauder.
Oui, ça se met tout de suite directement dans le truc. Donc c'est pour crafter les talismans, bah c'est cool. Ah, ces humains. Alors ce qui est... enfin je sais pas si vous l'entendez super bien au niveau de la vidéo, mais ce qui est énorme c'est que ce soit quand vous êtes bouché, quand vous êtes justement pilleur, dès l'instant que vous avez un mob, il y a des ressources que vous en tant que récolteur vous pouvez récupérer, et des espèces de mouches dégueulasses qui volent autour et vous l'entendez, il est super loin. Ouais, vous voyez, si je veux, je peux complètement passer derrière lui et récupérer ce qu'il a fait. Je me rappelle plus si je peux les rendre cette quête. Damned. Peut-être là-bas, c'était des potes maraudeurs. Monsieur, c'était à toi qui fait que j'en ai la tête? Non, pas c'est pas grave. Je vais te trouver. Je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Eh bien très bien, eh bien, je pense que je vais arrêter là cette première vidéo et puis on se retrouvera dans la suivante pour continuer les aventures du maraudeur, voilà. Eh bien je vous dis à tout de suite.